Qu'est-ce qui est présent matin dans le cadre de la conférence? Ça nous pas jamais oublier les policiers dans quatre coins pays qui travaillent en bas de difficultés pour la population en sécurité. Nous profitons de moment ça pour nous rappeler à les policiers mission à rôle syndicat. Le syndicat de la police là, je nous toujours dit là. Il est là pour défendre les policiers, pour faire des voies, pour exiger bon gens conditions de travail, bon assurance et salaire qui prend compte réalité la vie. Syndicat pas dans politique. Syndicat pas remplacer au commandement ni inspection générale. Au contraire, syndicat li là pour le travail côte à côte à quoi commandement pour l'aider, professionnaliser et dépolitiser. N'a félicité porte-parole nous qui te répond convocation inspection générale la semaine passée à Kendi inspecteur divisionnaire LDR qui te répond convocation. Moi fais place à porte-parole là. Je place mon position. Jean nous te dit dans statut. Article 6, le comité central. Le SPNH 17 étant considéré comme un lieu d'affectation pour ses membres du comité central, ces derniers ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de transfert du syndicat s'ils ne sont pas en contravention avec la justice ou commettent des actes pouvant tenir l'image du syndicat et de la PNH. Le SPNH 17 est composé de policiers de la police nationale d'Haïti, du grade d'agent 1 jusqu'au grade du commissaire divisionnaire, à ce jour de leur cotisation. Article 21.1. Le coordonnateur adjoint seconde en tout domaine le coordonnateur ou coordonnatrice générale en cas d'absence répétée, non motivée ou d'incapacité physique du coordonnateur ou coordonnatrice générale. Nous tous apprenons démission Yannick Joseph dans la police là. C'est dommage, syndicat, c'est sur réseau social. Même gens à tout le monde lui apprennent démission ça. Qui donc, Jean Estati syndicat prévoit ça. Désormais, c'est un coordonnateur adjoint qui a capable de rendre fonction coordonnateur général. C'est raison ça, matin, on a présenté la presse nouveau coordonnateur général syndicat la police là, qui c'est inspecteur divisionnaire lundi Jean Elder. Pour nous finir, on a continué à demander au commandement aux autorités dans l'État pour yon prendre considération les policiers qui sont en prison, et spécialement Jean-Pascal Alexandre, qui a en prison injuste et arbitrairement illégal. Dans le cadre de Mézi qui prend pour bailler grâce à les prisonniers, côté que je dis à la gain, plus de 400 personnes qui jouent grâce dans le cadre de libération y a fait pour la question qu'on a et COVID-19. Mais dans 400 épiques monde, ça, nous n'avons pas 20 policiers. Pendant notre adhésion en correspondance à ministre de justice, non, de façon policière, aux jeunes grâce. Syndicat de la police a renouvelé l'engagement dans doublé effort pour l'hypothèse revendication policière jusqu'au bout. Intimidation, pression, sanctions arbitraires, révocation et transfert, pas fait nous paix. Parce que bataille bien-être, pas jamais facile. Nous continuons à exprimer revendication nous pacifiquement, sans faire politique et dans le chemin. Constitution en tracé pour ça. Vive Haïti, vive PNH, vive SPNH. Coordonnateur général, Jean-Yves Lender, ou bien Lender, et ou bien la parole. Merci. Encore une fois, nous saluons tout le monde de la presse qui honore nous matin par présence. Dans le cadre de la conférence pour la presse, là, nous saluons tous les policiers, toutes les policières qui ont été l'élite là, sans la guerre, jusqu'à ce que nous arrivions côté nous là, journée aujourd'hui. Moi-même, lundi Jean Elder, inspecteur divisionnaire,
En tant que nouveau coordonnateur général syndicat police là, moi prends engagement pour me faire respecter et statut syndicat avec règlement interne. Nous prenons le travail pour nous mettre en place bon gens et stricti pour permettre au syndicat remplir mission comme ça doit. Comme nous connaissons déjà, revendication n'a pas changé. Au contraire, chaque jour qui passe, bagaille vient plus raide, plus malouk. Policiers, policières, nous mettons de côté dans la volonté syndicat gagné pour faire respecter les droits nous comme policiers. Merci. La prochaine question. Tout à l'heure, on avait une convocation. Et normalement, il a été convoqué moi dans date 16 juin, l'inspection générale. Moi, j'ai répondu présent parce que la convocation était institutionnelle, c'est normal qu'on s'en a toujours eu. L'inspection générale convoqué un policier pour qu'il y ait des voies pour aller. Nous avons travaillé dans date 15, nous avons fait naï, et puis le responsable commissaire Yamreling, dans le 8-9 heures, et puis il dit que la convocation demain matin, l'inspection générale à 10 heures. Et bien, dit, donc, il me dit, mais pas de problème, il m'a passé pour un. L'état m'a dépassé pour un, dans 16, je réponds à la convocation. Hein. Et bien, moi, je pose une question, c'est comme ça, je pose une question pour vous poser. Ce n'est pas un louche que moi-même, moi, j'ai été fait. Et c'est après, je vais c'est suite à l'intervention que j'ai été faire. Et contre déclaration, Premier ministre, non Ministre de Justice, c'est ça l'idée. Que moi-même, je dis, hein, comme dit l'autre, tout homme digne de son nom, ça a respecté sa parole. Je dis, je fais partie du comité central syndicat PNH. Là. Moi, j'ai pour devoir. Toute revendication, je prends pour policier, me concerne tout. Je dis, il y a un monde qui prend un policier en fonction du droit ou prend du droit. Il y a un monde qui parle mal de un policier qui travaille, même si ce n'est pas moi-même, moi affecté. Normalement, moi, je réponds à la déclaration Premier ministre. Non? C'est parce que, dans le premier temps, ministre de Justice, non? Moi, je comprends, le ministre de la Justice, dans la déclaration, là, c'était avec tout policier qui a parlé, il n'est pas centré la déclaration. Là. C'était un malentendu. De ce fait, j'ai dit dans l'inspection générale, dans la deuxième audition, là, moi, j'ai dit moins prêt pour me faire une excuse publique à le ministre de la Justice. Là. De ce fait, je dis, qui c'est 25 ou 26 25 juin 2020, ministre de la Justice, Lucman Delille, moi-même, policier Gonet Gaberson, de garde agent 2, dit sage le grand, je coupe bien moi, bien bas, pour me présenter, excuse-moi, comme ministre de justice. Moi, je te réponds, c'est parce qu'en premier temps, moi, je te comprends dans la déclaration là où tu parles à tout policier. Et aussi, dans la question que je te réponds, je te dis, moi, je ne me pas sentir bien comme policier pour ma travail, pour traiter de terroriste, de bambin. Mais vu que vous êtes centré sur la déclaration, là, ou pas généraliser, eh bien, je dis, hein, me présente, excuse-moi, et me faire publiquement, et je ne parle pas rien. Merci. Deuxième question. Oui, monsieur Yannick Joseph, il a affecté. Pour qui ça? Nous commençons une bataille. Yannick, c'est promotion. Ça veut dire, nous faisons ensemble avec elle. Depuis en dansant, on commence à boumer. Yannick, il a affecté socialement, il a affecté chaque grand monde qui fait partie du comité central. Là. Et je suis ça dans le comité central, dans le groupe WhatsApp comité central. Pour me regarder comment les policiers ont concevoir l'émission Yannick. Là, malgré le pape averti nos gens qui nous sont là. Oui, il a affecté nous. Et Yannick manque nous. Il manque nous. Parce qu'elle était compté dans la bataille là pour nous. Depuis le 27, Yannick était compté. Et jusqu'à aujourd'hui. Il a continué à compter pour nous. Et Yannick, j'en dis là, n'a tant de support. Ou bien grand amour qui police bien avec le second, il devait passer. Fais le passer pour les jeunes syndicats. Merci. Et une prochaine fois, n'a pas invité nous. Merci.